Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Cuba sur la plage car on vient de trouver une bouteille en verre échouée. Et il y avait un mot à l'intérieur. C'est quoi, c'est une bouteille? Oui, c'est une bouteille, je viens de le dire. Mec, il y a un mot à l'intérieur. Mais qu'est-ce que quoi que c'est, que comment, que où, que quoi que c'est? Ah ouais, je suis Barberousse le pirate. Je n'ai jamais eu de Barberousse, mais je trouvais le nom plutôt cool. Bref, ici sur cette île est caché mon trésor. À vous de le retrouver, et si vous avez pas envie, c'est pareil, de toute façon je m'en fous. Mais c'est quoi ce délire de barbe bleue, barbe verte, barbe... Ah mec, il y a une carte! Ou un morceau de carte. Ça c'est la bouteille, et il y a un genre de bateau avec un trou trop bizarre avec des écritures à l'intérieur. Ah non, c'est l'autre carte qui est derrière. Il faut marcher 350 mètres vers le nord, let's go. Mais mec, c'est trop bizarre cette histoire de carte au trésor. Tu vas me dire que personne, en l'espace de des décennies, de centaines d'années, de milliers d'années, de dinosaures, et que personne n'a trouvé cette carte avant moi? Ah mec, c'est ça? C'est les bateaux pirates? C'est la première étape sur la carte. Mec, c'est ouf, ils sont dingues ces bateaux pirates. Ah, qu'est-ce que vous faites par ici? Mais c'est quoi ce délire? Attendez, vous êtes un vrai pirate? On est en train... Bien sûr que je suis un vrai pirate. Je suis arrivé ici grâce à la balade temporelle. Longue vie à la balade temporelle. Je crois qu'il est complètement sous, mec. Écoutez, monsieur le pirate, vous pouvez nous aider, on cherche un coffre, je sais pas. On a ce morceau de carte, mais on n'a pas le reste. Je peux peut-être vous aider, je crois que j'ai un vieux morceau de carte qui traîne quelque part dans ce bateau. C'est vrai? Par contre, je vous le donnerai qu'à une seule condition. Laquelle? Il y a un monstre qui m'a volé ma toute dernière bouteille d'alcool. Je vois rien du tout dans la longue vue. Si on va chez le monstre et qu'on récupère votre bouteille, est-ce que vous pouvez nous donner le morceau de carte que vous avez ou pas? Parole de pirate. Et un pirate n'a qu'une parole. Ok, ça marche. Est-ce que je peux vous emprunter juste votre banjo qui est là? Mais bien sûr, Moussaillon, cool. Il fait beau, il fait chaud. Je crois que j'ai une idée. Heureusement, je sais m'y faire avec les monstres. Cela dit, l'alcool est très mauvais pour la santé, donc non, consommez que sur modération, sous modération, avec modération. Mais mec, tu crois qu'il y a vraiment un monstre dans la forêt? Parce que moi, ça me fait un petit peu peur. Mec, il était complètement bourré. Mais c'est quoi ce délire? Tu le vois? Il y a vraiment un monstre? Là, c'est le moment de passer à l'action. Ce genre de bête adore la musique country. On a la bouteille. Il n'y a plus qu'à la ramener aux pirates et récupérer la carte. Wouh! Monsieur, monsieur le pirate, on a votre bouteille. Mon bon vieux loup de mer. Ok. Vous êtes des bons vieux loups de mer, hein. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Bah, vous pourriez nous donner la carte que vous avez dans votre bateau, par exemple? Très bonne idée. Vous la trouvez? Cool. Yes. C'est pour vous, monsieur. Ah, punaise, c'est la suite de la carte. Elle nous dit d'aller par là. Merci beaucoup, monsieur le pirate. J'ai pris une banane temporelle. La deuxième partie de la carte nous dit d'avancer vers l'est jusqu'à un crâne. Mais attends, c'est dans quel sens? C'est à gauche de la grande ours. Quoi? C'est bon, tu vas dans le champ là? Le champ? Parce que je suis dans... Bon, normalement, on devrait tomber sur ce crâne. Ça se trouve, on suit rien du tout, mec, et c'est juste une vieille carte qui squattait sur l'île. Mais c'est quoi ce sac d'os? C'est ouf! On dirait, tu sais, quand quelqu'un veut te prendre en photo et que ça dure trop longtemps. Les requins m'ont attaqué. Retrouvez mon bras et vous serez récompensé. Oh non mec, je crois que j'ai compris. Suis-moi. Non mais attends, c'est pas possible. Oh non mec, il y a vraiment des requins. Ok, alors là c'est hors de question que j'aille dans l'eau mec. Je vais pas aller nager avec les requins, j'ai une idée. Si tout le monde met un like sur la vidéo là maintenant, les requins ils vont être étonnés, du coup ils vont ouvrir leur gueule et le bras il sera lâché et je pourrai le récupérer. Mettez un like sur la vidéo maintenant.
Non, attends, en fait, j'ai une autre idée qui est, je pense, mieux que ça. Mais faites-le quand même. En fait, ma vraie idée, c'est quand je vais promener Sherman, mon chien, quand il a un bâton dans la gueule, je prends un autre bâton et je le jette juste à côté. Et du coup, il lâche le bâton qu'il a. Bon, allez, gna gna gna, cherchez l'autre. Gna gna gna, il fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Gna gna gna. Il faut juste que je lance quelque chose pour que ça les appâte. Gna gna gna, qu'est-ce que je peux jeter? Oh, ça, c'est nickel, mec, ça, c'est parfait. Je l'envoie juste à côté des requins. Olivier, puis... Olivier. Mec, on y va. Tiens, mon brave. Oh yes, c'est la troisième partie de la carte. Là, le chemin continue, ça fait passer par la forêt. Ça veut dire qu'il manque une dernière partie de la carte. Ça veut dire qu'on en a 3 sur 4, sur carte. 1000 mètres à l'est. Je vais juste prendre l'appel. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on en aura besoin pour le trésor. D'après le troisième morceau de carte, on est obligé de passer par cette forêt. Mais pourquoi... Mec... Quoi? Quel genre d'animal peut pondre un truc de cette taille? Attends, mais tu crois que la carte, elle est à l'intérieur? C'était quoi ça, mec? Je vais les casser très rapidement. Je les pète vraiment, là? Mec, il est pas dans celui-là. J'essaie dans le deuxième. Elle est pas ici, mec. Mec, ok, c'est bon, j'ai... On se barre. Tu l'as vu, on aurait dû une autruche géante et cracher du feu. Enfin bon, bref, on s'en fout. Normalement, là, j'ai toute la carte. Là, c'est là où on a trouvé la bouteille, sur la plage. Après, on est arrivé devant les pirates complètement bourrés. Et ensuite, ouais, on est arrivé au squelette. Il y a eu les requins, après, on est passé par la forêt avec l'autruche. Et ensuite, c'est le X rouge. Pour rejoindre le X rouge, il faut compter 3600 pas vers l'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 501, 502, 503, 504. Catherine Deneuve, c'était quand même une bonne actrice, je crois. 506, 507, 4, 2125, 2126, 2127, 2107, 2628, 2730, 2000, ananas, 12, 2010, 2991, 2993, 94, 2900, 2996, 1997, 1999. Ok, 3000. Donc normalement, c'est ici. Quoi? Mais attends. Mais c'est la bouteille où il y avait la première carte. C'est-à-dire qu'on est revenu au point de départ, on a fait tout le tour de l'île. Mais je comprends pas, il est où le X rouge là? Il n'y a pas de X rouge. Juste ici là, tu veux? Mais non, ça c'est un plus, mec. C'est un plus, c'est pas un X. Ah oui, vu comme ça, le plus ça devient un X. En fait, c'est un X. C'est parti. Il y avait un crabe. S'il n'y a pas de trésor, mec, par contre, je pète un câble. On a fait tout le tour de l'île pour rien. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on marche, ça fait des heures. Il y a un truc. Il y a vraiment un coffre. J'arrive pas à le sortir. C'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire de ma vie. Ça et le contrôle de maths que j'avais vu en quatrième, c'était un enfer avec Madame Chertez. Dédicace à Madame Chertez. Mais c'est quoi ça? Non, on s'en fout. Ok, je l'ai. Ça a marché? Mais c'est juste une banane! Attends, mais... On a fait tout ça pour une banane! C'est ma banane temporelle, ça! Je la reconnais! Merci de l'avoir trouvée, Moussaillon! Mais c'est quoi ce délire? Oui! Oui! Excellent! Potassium et du bon rhum! Quoi? Mais... Mais mec... Attends, c'était la banane... C'est la banane temporelle... avec toutes ces histoires, en fait, je me dis que des fois, les histoires les plus bizarres, c'est celles qui sont les histoires les plus compliquées. Non, c'est les histoires les plus bizarres qui souvent les souvent les histoires les plus compliquées, c'est celles qui non parce que